sont fumées. Ah, il voit clairement, mais c'est que c'est fumé. Ah, c'est frais, là, ça me fait peur. C'est à cause de vous-même, là, pour manger, de toute façon, c'est difficile. Ouais. Ah, oui, oui, dis. Oui, oui. C'est elle qui t'a détruit, là. C'est le seul endroit où le sorcier même se... Non. Il a l'aise. Il s'esquive et sans problème. Tu es dans d'autres églises, il y a longtemps que tu enchaînes, avant que tu es parsonné. C'est les parsonnages. Le combat contre la sorcellerie en Europe, c'est avec les parsonnages. Les blancs disent crient, non, droit de l'homme, lutter contre l'ordre de l'homme. Mais c'est les plus les barbares. La chasse aux sorciers, c'est avec les parsonnages. Ils prenaient le feu, ils mettaient dans le feu, et puis ils mettaient dans l'œil des sorciers, ils ne jouaient pas avec eux. Je dis, non, l'homme à droite, non. Mais c'est d'autres que tu es sorcier. Nous sommes très civilisés à cause de l'évangile. Pour nous, le sorcier, même s'il est possédé, il a droit à la vie. Oui, madame, s'il te plaît, comment t'appelles? Tu étais où tu voyageais ou non? Comment t'appelles? C'est Edith. La dame est devant toi. Il y a une dame devant toi. Mais rien là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai maintenant le temps pour t'écouter. Ok. Ça veut dire quoi? Il a gâté sa famille. Mmh. En quoi faisant? Tu as fait quoi? Il cherche son mari. Et puis il a couché avec ses enfants. Il cherche son mari. Oui, papa. Il fait quoi? La nuit qu'elle est toi. Et puis il est dans son monstre. Et puis il n'a pas là. Et puis qu'il est fait, elle dort beaucoup. Non, non. Tu rentres comme souris, tu iras dans la chambre, là. C'est ça qui m'intéresse. Dors beaucoup, là, ça ne m'intéresse pas. Et tu fais quoi? Et puis, je déshabille son mari. Tu déshabilles son mari? Oui, papa. Hmm? Et puis, je suis allé. Tu fais comment que je t'ai dit? Tu les déshabilles, dors. Tu fais quoi? Quand il fait, comment tu fais pour se tailler? Tu montes sur lui. Lui ne monte pas sur toi, tu montes sur lui. Non, il ne monte pas sur moi, c'est moi, il monte sur lui. Ah, vous avez compris. Et puis, c'est ça. Et puis, il est sorti. Tu le laisses comme ça, bien ou tu le dis après? Non, je le laisse. Tu l'as dit après? Oui, papa. Tu sors. Oui, papa. Et Ozoa, elle dort. Elle dort. Ah, tu sais que j'ai fait mon caisse. Le orchestre des attirés, comment on appelle ça? Côté. Ah oui, orchestra. Il y a tous les tambourins, tout est permis. Et donc, elle dort. Et puis, elle souffle. Et puis, elle dort. Et puis, elle ne se réveille pas. Est-ce que ton mari a souvent l'envie de sortir, toi? Ici, les cliniques, moi, il parle. Hein? Quand il te voit là, il te touche un peu. Non. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas sorti ensemble? Depuis qu'elle a mis à la maison, il ne sort pas. Il te voit en connerie. Mmh. Il tourne dos. Mmh. Il dit quoi? Il dit qu'il est fatigué. Ah. Mais il fait. Souvent même tu le touches. Mmh. Et puis il dit laisse-moi. Il m'a demandé au travail. Il ne pense même pas à toi. Vous savez qu'un homme ne doit pas refuser ça à sa femme. C'est parce qu'elle est possédée. Le jour où la femme a envie d'un homme, le monsieur doit céder. Ah, laisse-moi. Non. Ce n'est pas ta petite soeur. Elle a besoin de toi. Va. Vous n'êtes pas même. Non, la petite soeur. Oui. Le mariage, ça fait partie. Tout ça, ça fait partie du mariage. Mais le devoir de l'homme, tu es marié, tu dois assumer. Lève-toi, monsieur, et va avec ta femme.
Donc le monsieur, tu le gères. Oui, papa. Hein, tu fais que quand il le souffre matin, il lui donne pas l'argent. Ah, il lui donne pas l'argent. Oui, papa. Il lui donne pas l'argent. Il dit quoi? Il peut danser à qui? Non, il fait qu'il ne donne pas l'argent. Donc tu le gères. Tu le gères. Tu as fait quoi encore? Oui, voilà, parce qu'elle avait déjà fait des aveux une fois. Et puis elle a fui. Voilà, voici la vraie raison ce matin. Elle a fui. Maintenant, toi, je te pose la question. Toi-même, là, tu as parlé, je suis allé à la maison là-bas. Ok? Maintenant, tu as fui pourquoi? Non, je ne suis pas fui. Je ne sais pas quoi? Je ne sais pas. Pas vas-y, s'il te plaît. Tu n'as pas quoi? Je suis pas fille. Tu n'as pas quoi? Je n'ai pas fille. Ah, hein. C'est la pudice de Yahwa. Je n'ai pas fille. Voilà, je n'ai pas fille. Vas-y. Je n'ai pas fille à amener chez le prophète. De là-bas, il était là-bas. Mm-hmm. Je n'ai pas fille. Non, on m'a dit que tu es allé chez une dame. Je ne suis pas partie chez une dame, elle m'a amené chez l'autre prophète. Qui t'a amené là-bas? C'est ma tante. Quelle tante? Ma tante m'a dit tout ça. J'ai été amené là-bas. Allez, dimanche, on est parti là-bas. C'est là, ici, là, c'est là-bas en même temps. Ah, donc, on est tous sortis ici. Hein? On a commencé un dossier, quand tu l'as amené ailleurs. Pourquoi c'est pas comme ça? Vous pouvez expliquer. J'explique. Bon, il y a un monsieur qui était venu chez maison. Chez nous, comme il y a des maisons indépendantes qui sont à côté de chez nous, il dit c'est un prophète qui cherche maison. C'est dans ce contexte qu'il est rentré. En ce moment, je suis prêt, j'étais en train d'agoniser dans la chambre. Sa maman est en train de prier et puis il a tapé la porte. Quand elle est rentrée, il dit il cherche maison. On m'a dit qu'il n'y a pas maison ici. Mais où c'est la raison de prier, ma fille est mourante. Elle est en train de faire la destinée. Là, le monsieur est rentré, il dit ta fille est mourante, je peux prier pour elle parce que je suis un homme de Dieu. Il est rentré, il est sorti de la chambre, il était assis au salon, il a prié. Il dit, quand il prie, il voit une personne étrangère dans cette maison qui n'est pas familière à moi, mais cette personne-là me fatigue. Il dit, maman, il dit, ah, il y a une personne qui est ici, on sait qu'elle a déjà sorcière parce qu'il y a un papa cancer qui l'a déjà détecté. Non, comment elle s'est retrouvée chez le monsieur? C'est le monsieur qui a dit, on lui a dit que, mais pourquoi vous savez qu'elle est sorcière et puis elle habite à la maison? Il dit, bon, c'est mon papa cancer qui s'occupe d'elle, mais il est parti au Maroc, il n'est pas là. Il dit, mais elle est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse. Est-ce qu'il a pu la délivrer? Il n'a pas pu la délivrer. Ah. Bon, jusqu'à présent, le monsieur lui a dit que c'est comme ça. Comme le papa n'est pas là, prenez-la pour l'amener au centre. Non. Elle va dormir là-bas. Toi, tu es allé où? Parce que la petite, la mère, te dit, c'est toi qui l'envoie là-bas. Elle est partie à l'église là-bas. Quand elle est partie à l'église là-bas, celle-là, elle est restée là-bas en même temps. Pourquoi tu es restée là-bas? Elle dit qu'elle est restée. Le monsieur. C'est au photo que tu ne vas pas. Au départ, tu ne voulais pas partir. Parce que tu voulais que je te délivre. Non, papa, il n'est pas parti au village. Quand on est parti à l'église, ça, le prophète l'a dit qu'il va rester là-bas, qu'il va faire ma délivrance. C'est là, le soir, il a appelé son pasteur et puis il a commencé à confesser là-bas. C'est là, je sais, il était passé, c'est combien de semaines il a fait? 3 semaines il a fait là-bas. C'est ici, je lui. Non, arrêtez, n'a rien à voir ça. C'est vrai. Non, vous m'avez fait dit sa tradition de la chose, parce qu'on m'avait dit. Que la petite aimait la fuite de la maison. C'est ce que moi j'ai appris. Effectivement, elle avait fui. Papa, elle avait fui. Non. Maman l'a frappé. Maman l'a frappé. C'est pour ça que le monsieur l'a pris. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un prie. Non, moi, je ne suis pas contre un ministère. Non. Mais on a démarré une activité, on a demandé quelque chose. Que ce soit au Maroc, que je sois parti, j'ai 2 centres de prière. J'ai celui de Divo et j'ai celui de Zaroko. Même si quelqu'un viendrait même dire, on a commencé un travail, c'est comme un médecin te suit. C'est pour ça que dans les cliniques, il y a des gens qui ont des médecins. En Europe, ça existe. Il y a des médecins de famille. Les gens ont leur médecin. Lui connaît la situation, il connaît, n'est-ce pas, ton corps. Il peut mieux te suivre. J'ai démarré un sujet. Même si quelqu'un vient et dit à une personne, là, OK, le prophète, j'ai su la chose.
Maintenant, si vous amenez une personne, là, moi, le résultat, c'est quoi? Il faut qu'elle soit délivrée, même si je suis allé au Maroc et que j'ai dit, je l'appelle parce que je suis revenu. Mais moi, j'ai demandé, j'ai posé la question, et la fille, vous m'avez attendu, enfin, tant que la fille avait fui la maison. C'est moi qui ai exigé qu'elle revienne. C'est pour ça que vous l'avez ramenée. Moi, je ne force pas. Je ne force pas certaines choses. Mais en même temps, la petite dit que c'est... toi, tu ne m'as pas conté cette histoire, là, c'est maintenant que tu es en train de parler de cette histoire. Voilà, c'est pour dire, moi je ne suis pas contre la prière, la preuve c'est que je collabore avec tous les pasteurs, je n'ai pas de problème avec les pasteurs, les hommes de Dieu, mais en même temps, nous avons démarré une activité, nous avons demandé de démarrer quelque chose dans la vie de la fille. Pour nous, il est important qu'elle soit sécurisée, ça c'est important. Elle allait quelque part dans un endroit, elle a fait des aveux. Les gens ont fait quoi de ces aveux? Elle ne suffit pas d'aller dans un endroit faire des aveux. Ils ont fait des aveux. Comment ils ont exploité les aveux? Il ne faut pas l'exposer dans une église comme ça. Nous le faisons peut-être publiquement, c'est choquant peut-être pour certaines personnes, mais c'est pour un objectif bien, bien précis, c'est pour atteindre un objectif, c'est de la délivrer. Vous l'avez amené, elle a parlé de l'autre côté. Ils ont fait quoi? Le résultat, c'est qu'elle n'est pas délivrée. Ça a servi à quoi? Ah oui, c'est ça, ça a servi à quoi? Non, ça pouvait attendre, puisque le résultat est là, elle n'est pas délivrée. Non, ça pouvait attendre jusqu'à ce que ça arrive à mon niveau. C'est ça le problème. Après que toi-même, tu as couru après. Moi-même, je t'ai vu, j'ai appelé. J'ai dit, je t'ai vu, tu allais à Abidjan, tu as fait une opération au niveau des tessins. Tu avais du cancer et tu es resté dans l'opération. C'est ce que nous sommes en train de gérer actuellement. Mais en temps, il ne faut pas paniquer. Le diable, il peut vous effrayer. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Si j'avais quelqu'un là qui vous suit, moi, je ne suis pas du fait que vous partez là, non. Mais chaque homme de Dieu a sa spécialité. Si tu as un gynécologue, quelle femme a commencé à être enceinte, qu'elle fréquente un gynécologue, c'est le gynécologue qui la suit jusqu'à l'accouchement. C'est un champ de gynécologue, il y a un problème, il y a un problème au niveau de l'accouchement. Donc, quand vous avez un dossier de sorcellerie, qu'une personne a commencé à vous suivre, surtout que nous autres, là, nous sommes experts dans le domaine de la sorcellerie. Il n'y a pas, c'est pas de l'orgueil, il n'y a pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire et dans le monde qui peut régler pour une sorcellerie comme moi. Il n'y a pas. Parlez-moi de sur Internet, j'apprends. C'est pas de l'orgueil, mais j'apprends. Je cherche à demander quels sont les gens qui ont le même ministère. Mais ce n'est pas la même manière de voir les choses. Les gens peuvent parler, pas les délivrer. Nous faisons un suivi, un travail. Il n'y a pas. Pas parce que Dieu, mais chacun a sa spécialité. C'est à partir de notre YouTube que les gens finissent par comprendre que c'est dangereux, qu'on peut même délivrer un sorcier de la sorcellerie. Il n'y a pas. Depuis que je regarde, je suis l'activité des gens, comme nous délivrons les gens de la sorcellerie, en 10-15 minutes, on peut débarrasser une personne d'une sorcellerie. Elle, on n'a pas encore fait sa délivrance proprement dit, on n'a pas encore fini. Donc, il faut user de patience jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qu'est la délivrance. Vous sautez, vous avez quelqu'un qui vient vous dire il va chercher une maison, du coup, rentre dans votre intimité, c'est dangereux. Vous devez savoir qui est là. Parce que même si les prophètes, il y a quelqu'un qui peut apporter la peau des prophètes, quelqu'un peut rentrer. Moi, quelqu'un ne peut pas rentrer dans ma vie comme ça. Ne permettez pas aux gens de rentrer, même s'il est un homme de Dieu, qui ne rentre pas du coup dans votre vie. Oh, vous avez des pères spirituels. Et c'est ça. Vous aimez vagabonder, c'est pas bon. Quelqu'un vient vous donner une petite révélation, vous avez des troubles, vous tremblez. Non. Vous avez un père spirituel, même s'il tremble, même si vous avez des difficultés, il y a seul de gérer le problème. Voilà, elle dit pas créer une connexion, vous voyez où ça arrive. Parce que moi j'ai demandé, je suis allé la fille, elle a fui. La petite l'a dit, elle n'a pas fui. Voilà. Vous voulez être délivrée. Ok, on ne peut pas polémiquer. Le seul résultat, c'est quoi? C'est ni elle, ni vous n'a de problème. Ni tourner vous, ni elle. Nous avons un ennemi commun sur le diable. Et nous serons prêts à mater le diable. Elle doit délivrer, vous devez délivrer. C'est tout. Mais c'est les conseils que je suis donné, je suis dans les crier. C'est vous, mais je suis donné les conseils. Ne permettez aux gens de rentrer facilement dans votre vie. Surtout que vous avez des pères spirituels. Les gens ne doivent pas rentrer comme ça. Ici à Divo, on connaît. Il y a qui peut délivrer comme nous délivrons les gens. Si quelqu'un vient vous influencer. Après, vous êtes revenu ici. Vous êtes revenu à le sujet. C'est sur notre YouTube, les gens apprennent à faire des délivrances, des sorciers. C'est sur le YouTube, les gens apprennent à faire des délivrances, des sorciers. Amen. Il y a délivré et puis avoir le long champ de la destruction de la société. Ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis pas orgueilleux. Mais j'ai dit justement les choses sont correctes. Il ne faut pas permettre aux gens de rentrer dans votre vie. Sinon, vous détruire. Ils vont vous détruire. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? On dit, on t'a envoyé une fois ici, tu as fui. Oui, papa,
pauvre. On t'envoie une fois ici, tu t'es parti. Pourquoi? Tu ne supportes pas ici? Pourquoi? Il y a quoi ici? Il y a feu ici. Ah. Quand vous te l'envoyez là, il n'y a pas feu. Elle mange son arachide. Elle vient de l'homme, elle dort bien. Elle va dans une zone où il n'y a pas le feu. Donc tu as fui. Donc ça veut dire ici il y a Dieu. C'est ça? Donc tu t'aimes les cons, il n'y a pas Dieu. Donc tu aimes ça? Donc quand tu es ici, le grand-père ne vient pas. Non, il veut dire qu'il a dormi, c'est mon grand-père n'est pas venu. C'est ce que j'entends de dire. Donc tu aimes les endroits où le grand-père vient alors? Elle dit, vous avez compris un peu. Elle n'a pas une volonté de se débarrasser de la sorcellerie. Or, la délivrance, ça se désire. C'est une question de volonté. Il y a un problème. Bon, je ne suis pas contre toi, d'accord? Je suppose, je t'en veux même pas d'ailleurs. On va t'aider. On va t'aider à te délivrer. Ça va? Tu as combien de papas? Papa, c'est le monsieur, il est venu, il est rentré dans ta vie. Non, il est rentré dans ta vie. Mais c'est ça, il est rentré facilement dans ta vie. Il a fait quoi? Chez lui-même, on dort là-bas, et puis on pratique sorcellerie. Chion là, c'est bon, hein? Chion là. Pas les phrases à vous mettre à tête. Hein? Elle dit la même chion sa tête. Vous voyez ce qu'il m'a dit? Ouais, perruque. Ah, pardon, perruque, va prendre perruque. Va mettre perruque. Va mettre perruque. Va mettre perruque. Comment tu as dit jamais, tu as mis perruque, non? Où est-ce qu'il a dit? Hein? Vous venez à faire l'affaire de Dieu, là, il y a les styles, moi j'aime pas. Non, il y a les styles de trucs. Quand vous avez déjà, moi je vous dirais, vous voyez comme des bandits, des délinquants. Pour avoir le style des délinquants, quand vous venez dans la maison de Dieu, il faut être quand même bien. Il y a un aspect qu'on doit présenter. Parce que même au palais présidentiel, quand vous avez rendez-vous avec le président, on vous donne un critère d'habillement et les gens de style qui convient à la réception. Alors quand vous venez dans la maison de Dieu, pas parce que c'est un garage des hommes comme ça, et vous venez comme ça, non. Votre apparence doit me permettre de s'occuper de vous. Et si vous avez des coiffures, on est des délinquants, moi, je suis dans les réserves. Et demain dans le bureau, c'est pas qui a fait. Amen. Amen. On va te laisser te délivrer. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. On va en parler tout à l'heure. Voilà, que Dieu bénisse.